Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire un baume du tigre. C'est une commande que j'ai eue, donc voilà, je vais vous préparer ça. Comme ça vous verrez un petit peu comment on fait. Ça est un peu plus compliqué que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais c'est un baume, donc c'est un mélange entre des huiles et une cire. Et j'y ajoute des huiles essentielles spécifiques au baume du tigre. Bon, je ne sais pas si vous savez ce que le baume du tigre, on peut s'en servir pour plein de choses, hein. C'est d'origine, je ne sais même plus, c'est pas très grave. En tout cas, on peut l'utiliser pour une migraine, les courbatures, enfin voilà, toutes sortes de trucs, vraiment. Donc moi, c'est vraiment un truc passe-partout et les gens aiment bien, donc ça coûte assez cher. Donc la première fois que je l'ai fait, je me suis dit, je vais aller voir un petit peu comment... Comment je trouve ça sur internet, par exemple, est-ce que c'est cher, etc. Et ben, j'ai pas été déçue du voyage. C'était très cher et c'était pas certain en plus que ce soit le vrai. Donc, j'ai décortiqué les listes d'ingrédients et puis j'ai vu que c'était pas bien compliqué. Donc, voilà. Donc, j'ai essayé de reproduire et c'est tout à fait le même. En ayant fait mes recherches sur les huiles essentielles, etc., avec ma formation, eh bien. Tout à fait ça. Donc, mes tests s'étant révélés très positifs, évidemment pas que sur moi, j'ai poursuivi et je trouve qu'il est pas mal. Voilà. Donc, je fais comme d'habitude, hein, j'ai désinfecté notre plan de travail, mes ustensiles, donc un petit ramequin, puisque je vais faire fondre tout ça au bain-marie, et puis. Une cuillère, un fouet, une spatule. Bon, vous avez compris maintenant, c'est quand même régulier. Alors, j'ai un contenant, puisque là, c'est pas un contenant que je récupère, mais ceux-là, je les récupère quand je peux. Donc, les gens me les ramènent, etc., quand ils ne sont pas abîmés. C'est des petits contenants qui sont pas très chers et que j'achète sur Aromazone, parce que voilà, quand on fait des produits pour les gens, c'est quand même mieux que ce soit bien. Donc, je désinfecte complètement, hein. L'intérieur, l'extérieur. Voilà. Et. Je mettrai une étiquette ensuite sur le couvercle. J'ai désinfecté également ma balance. Donc maintenant, je vais pouvoir faire mon mélange et vous dire ce qu'il y a dedans. Donc, toujours ma petite recette, hein. Donc, du beurre de karité. Bon, moi, à la place, je mets du beurre de mangue, mais c'est exactement la même chose. Donc, 25 millilitres. 25 grammes étant pareil. C'est juste le beurre de mangue est juste un peu plus tendre. Après, pour un baume, ça revient un peu au même. Pas beaucoup. C'est bon. J'ai mis 25. Ensuite. Alors. Donc là, normalement, ensuite, je dois mettre de la cire. Donc la cire, vous avez le choix. Alors moi, c'est selon les personnes qui vont me commander. Pour moi, personnellement, par exemple, j'utilise de la cire d'abeille, mais j'ai également de la cire de soja pour les personnes qui seraient véganes. Hein. Donc aujourd'hui, on va essayer avec la cire de soja pour voir un petit peu, parce que j'aime bien tester des choses différentes. Donc là, il en faut 15 millilitres, donc 15 grammes.
40 piles. Je vais vous les faire après. Voilà. Donc, vous voyez, c'est soit l'un, soit l'autre. Après, selon les personnes, ben, je m'adapte. Ensuite, on met du macérat huileux d'arnica. Donc, l'arnica, c'est fait avec le souci, mais le souci de montagne. Hein, donc, c'est pas facile à faire chez nous, évidemment, surtout dans les Ardennes. Après, si vous habitez la montagne, je pense que c'est un peu protégé, vos plantes, là-bas. Donc, ça va pas le faire. Mais, voilà. Donc, et avec le souci du jardin, on fait du calendula. Hein, donc ça, moi, j'en fais. J'en ai un qui macère en ce moment. Donc, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser puisque c'est une première. Donc, alors, je ne suis pas sûre d'en avoir assez, mais ce n'est pas grave, je compenserai avec. En tout, je dois en mettre 50 grammes. Donc, je vais voir ce que j'ai avec mon arnica parce que j'en ai presque plus, mais ce n'est pas très grave. Ça revient au même, en fait. Hein. L'arnica était très puissant, évidemment, mais le calendula aussi. Donc là, vous voyez, j'en ai que 12. Donc moi, vous voyez, ce contenant qui est vide, je le garde. Je vais le nettoyer à fond et je vais le garder pour faire d'autres choses. L'avantage, c'est qu'il n'est pas transparent, vous voyez. Enfin, il est transparent, mais fumé. Donc, c'est très bien pour mettre les huiles ou les macérats que je fais. Donc, jusqu'à 50. Là, on fait attention, on doit respecter. Voilà. Ensuite, on nous demande de mettre 3 grammes de cristaux de menthol. Donc, cristaux de menthol, c'est ce qui va faire l'effet froid et chaud. Vous savez, ça, quand vous mettez du baume butique, c'est un baume butique, c'est comme un décontractant musculaire hein, en crème. Enfin, vous avez sûrement déjà mis ça avec un torticolis ou des choses comme ça, ou une contracture carrément. Ben, ça fait ça, vous voyez, il y a un effet chauffant. Eh bien, les cristaux de menthol servent à ça. Moi, j'en mets un peu dans mon dentifrice également, ce qui est très... ça fait... J'aime bien. Ça, c'est une préférence personnelle. Voilà, j'ai mis... Vous voyez, ça représente vraiment pas beaucoup. Le paquet est entamé depuis très longtemps. C'est l'avantage de ça, c'est que c'est puissant. Ça coûte pas cher. Voilà. Ensuite, donc, là, je vais pouvoir faire chauffer ça. On ne fait jamais chauffer les huiles essentielles. Donc, on les met après, quand le mélange est bien fondu. Donc, vous voyez, là, je vais me mettre sur mon... Alors, on le fait fondre, hein, vous voyez. Bon, le beurre, que ce soit de karité ou de mangue, c'est un peu long à fondre, hein, mais c'est pas grave. La cire d'abeille aussi, c'est assez long à fondre, donc faut prendre son temps. Ah oui, là, j'ai le nez au-dessus, je ne vous dis pas, les cristaux de menthol, on se croirait au-dessus de l'eucalyptus. Vous voyez, quand vous faites une inhalation, ça fait carrément ça. Donc, c'est déjà très... Et pourtant, j'en ai mis vraiment 3 grammes. Hein, donc, à peine sur 100 grammes, ça ne fait pas beaucoup. Hein. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment puissant. Vous voyez, ça fond bien quand même. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Voilà. Donc, on laisse fondre. Et quand c'est fondu, je vais mettre les huiles essentielles. Donc, je vous reprends après. Alors, donc là, je vais commencer à mettre les huiles essentielles. Donc, il me faut 10 gouttes d'huile essentielle de cache-pout. Donc, la cache-pout, elle est antiseptique, antivirale, analgésique. Elle est très bonne pour les affections respiratoires, elle atténue les douleurs dues au zona et à l'herpès, puisqu'elle est antivirale. Donc, c'est très... elle est très bonne, très efficace. Donc, 10 gouttes. J'en ai pas mis 11, hein, j'en ai mis 10, comme c'est demandé. Alors, l'huile essentielle de cannelle, elle est anti-infectieuse, donc... elle est très bonne pour les rhumes ou le refroidissement, elle est anti-fatigue, donc c'est vraiment, elle est très puissante également, donc c'est, enfin voilà, vous voyez, toute cette synergie d'huile essentielle qui va être mise dans le baume du tigre, elle est vraiment là pour englober toutes sortes de maux différents. Alors, 10 également. Allez, cool. C'est pas évident des fois. Des fois, il faut l'aider un peu. Voilà, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Donc on fait attention parce qu'en fait avec ça commence à prendre, hein, donc il faut quand même pas trop perdre trop de temps. Donc ensuite on met de l'huile essentielle de Gaultéry odorante. Donc elle est bonne pour les douleurs inflammatoires, tout ce qui va être musculaire, articulaire, rhumatismal, etc. Donc celle-là est très connue pour ça. Hein, donc c'est pour les torticolis, tout ça, vous voyez, c'est magnifique. Donc également 10 gouttes. Donc moi, au bout d'un moment, je touille quand même. Voilà, ça se fait. Histoire de m'assurer que c'est pas pris complètement. Ensuite, la clou de girofle. Donc l'huile essentielle de clou de girofle, elle est anesthésiante. Donc vous en avez sans doute déjà entendu parler. Nos grands-mères mettaient des clous de girofle dans leurs dents, hein, pour les douleurs dentaires. Ben, ça marche très bien d'ailleurs. J'ai une très bonne synergie pour ça, pour les caries et tout ça, en attendant d'aller chez le dentiste. C'est un anti-fatigue et également... comment? Il soulage beaucoup, enfin, il soulage bien les névralgies, donc les gens qui ont des migraines mais qui viennent de douleurs nerveuses en quelque sorte, enfin, c'est très bien. Donc également 10 gouttes. Et enfin, donc 40 gouttes d'huile essentielle de romarin camphré. Donc le romarin camphré, c'est un antidouleur qui est très bon pour les douleurs musculaires, rhumatismales et menstruelles. Hein. Donc c'est vraiment assez générique également. Ça sent très fort d'ailleurs. Donc le romarin camphré, donc 40 gouttes. Il y a peut-être eu 41 là. Pas grave. Alors, donc le baume du tigre que je suis en train de préparer, mais je pense que ceux que vous trouverez dans le commerce, c'est exactement pareil, sont interdits au moins de 7 ans. Hein? La plupart d'ailleurs des huiles essentielles sont pas bonnes du tout pour les moins de 6 ans. Faut toujours vérifier avant de les utiliser. Vous ne devez jamais vous lancer sans savoir. Donc, bon, il y a plein d'endroits où vous pouvez trouver des infos, c'est pas le souci, mais bon, faites bien attention et surtout quand elles se mélangent ensuite, il y a des interactions. C'est comme pour les médicaments, hein, c'est exactement la même chose. Faut vraiment être très prudent. Donc, je remplis. Moi, j'aime bien savoir combien il y a dans mon petit pot. Donc, généralement, c'est 100 grammes. Donc là, je vais voir si je les ai. Oh, on est presque, mais on va récurer. La petite Marise est là pour ça. Bon, 98, 90, ça va aller, je pense qu'on est pas mal. Voilà, donc là, vous voyez, il n'est pas pris encore, donc moi je le mets dans mon frigo, hein, pour qu'il prenne, ça va un peu plus vite, mais je peux le laisser comme ça à l'air libre, je le rebouche et on va faire la petite étiquette. Alors là, je mets une étiquette différente de ce que je vous ai déjà montré, puisque là, c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un. Donc, je mets le titre de ce que c'est. Je mets également ce qu'il y a dedans, en tout cas au niveau des huiles essentielles, pour que les personnes puissent faire attention. Et je mets une date. Donc, pour un baume, c'est valable 6 mois, un baume à peu près. Ça peut être valable beaucoup plus longtemps. C'est à vous de juger la texture, l'odeur, etc. Mais je mets toujours 6 mois. Hein. Les crèmes de jour, je vous le disais, c'est 3 mois. Mais là, c'est 6 mois. Donc, alors. Un souci avec ces étiquettes, des fois ça n'écrit pas. Donc du tigre. Bon, je devrais pas l'appeler comme ça, hein, mais parce que la marque est déposée, je crois. Mais bon, en tout cas, vous savez de quoi ça cause. Donc. Donc c'est la Gaultéry couchée, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est un nom à coucher dehors, c'est le cas de le dire. Mais bon. Comme ça, vous pourrez chercher après si vous voulez. Ensuite, la clou de girofle.
Donc nous sommes le 20, 18, 19, donc 19 août, ça fera janvier 22. Voilà. Et je le colle au-dessus, comme ça la personne peut la mettre dans sa boîte à pharmacie, hein, par exemple. Moi, c'est ce que je fais, hein, avec mes produits. C'est pour ça que j'essaye toujours de faire des produits qui sont bons plusieurs mois, parce qu'on ne l'utilise pas tous les jours. Hein. Voilà, donc moi je vais le mettre dans mon frigo pour que ça finisse de prendre. Je vous montrerai peut-être après, tout à l'heure. Ouais, je vais faire ça. Je vous ferai un petit bout juste pour ça. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir. Donc, je vous avais dit que je vous montrerai le baume du tigre quand il serait pris, qu'il aurait passé un certain temps dans le frigo. Donc, je le fais tout de suite. Voilà. Donc voilà, vous voyez, il n'a pas... Bon là, le calendula était un peu clair, donc d'habitude, ça peut être un peu jaune. Hein. Donc voilà, vous voyez, on est... Oh, il sent très fort. Vous n'avez pas l'odeur, mais voilà, c'est vraiment caractéristique. Donc voilà, donc moi, il est prêt. J'aurais plus qu'à le donner à la personne qui me l'a commandé, et voilà. Mais écoutez, bonne journée à vous, et puis à bientôt.